Elle est impénétrable, mais ça devrait s'en rapprocher. Saluez votre ordre de ma part, Arcaniste. Frappez-moi le plus fort possible. Au-delà du jardin noir. Des éveillés. Voilà. Merci encore. Tâchez de rester en vie.
Aidez-moi, gardien. Tout comme moi. Nous avons largement de quoi vous aider. Viens. À bientôt, gardien. Je peux m'empêcher de penser à ceux qui nous attendent. Écoutez, ça vient d'un ancien arcaniste, Osiris. Chaque fin émerge toujours du même gouffre. Elle s'élève de la déchirure pour avaler la matière, la lumière et la vie. Nous ne pouvons l'arrêter, mais nous pouvons la ralentir. Pour cela, nous devons détruire les temples d'Oryx. Il y a un sanctuaire ici, mais c'est dans la partie inexplorée du gouffre des enfers. Nous devrions essayer de le détruire avant qu'il ne soit trop tard. Je perçois une activité anormalement élevée des déchus. Qu'est-ce qui a pu les provoquer? Je vais surveiller. Les déchus. Ils envahissent le gouffre des enfers.
je comprends bien les messages des déchus, un de leurs barons est ici. C'est rare d'en voir un hors de son skiff. Il y a sûrement un coup à jouer. Et voilà, un baron de moins. Et maintenant, trouvons ce sanctuaire. Ces tunnels n'en finissent pas. On ne pourra pas tout explorer. J'ai même pas envie de savoir ce qu'il garde ici.
Ces déchus sont aussi fous que nous.
Voilà le sanctuaire. Essayez de trouver un chemin. Envoyez-moi sous le sanctuaire. Je vais chercher un point faible. C'est relié à des ténèbres situées bien au-delà de notre système. Si seulement je savais comment rompre le lien. Reste à espérer que nous ne serons pas projetés dans un vortex transdimensionnel.
affaiblit. Vous devez le détruire. Nous avons coupé leurs liens. Le sanctuaire communique avec quelque chose. Leur roi. Ou leur dieu. Enfin, communiquer. J'ignore ce que c'est. Mais ça s'approche.